DAZN. De sa vie, de sa carrière pour le Standard, on essaie de trouver une solution et finalement on ne la trouve pas. Je veux dire, il n'y a rien de logique. Mais voilà. Non, il n'y a rien de logique et de rationnel. La composition et les choix. Tout d'abord, Oscar Garcia, 4 changements, il s'est expliqué. Des blessures, des manques d'entraînement, un noyau insuffisant. De Wachel, avec des garçons comme Mazis, Balikwisha, Scravers. Alors aussi des profils particuliers comme le capitaine Martens, lui. Prendre confiance dans le gardien du côté d'Oliver Louvain. Ça, c'est pas une balle facile, ça. Et il s'en sort bien avec un petit peu de bol. Balikwisha, est-ce qu'il passe ou pas? Oui. Martens. D'un autre côté, on attend le ballon, mais tout le monde revient vite, hein, très très vite du côté du Standard. De nouveau l'extérieur du pied. Et Polo, Verstraat. J'ai cru qu'il ait tenté la prise de volée. Balikwisha. Oh, pourquoi pas, c'est touché ça. Ouais, il prend pas de risque, Polo, même si ce ballon, pas certain qu'il était finalement cadré. Soutano. Hop là. Mendy, il lève la tête, il a vu qui? Il a vu Mazis, non. Et là maintenant, Martens, non plus. C'est touché ça, ouais, oui. C'est dévié. Ben là, on a vu Balikwisha qui demandait à Vlieting, et d'ailleurs Mendy aussi, passer d'abord par Mendy, pas forcément aller le chercher directement. Ce qui est étonnant, c'est que des deux côtés, on a quand même deux joueurs créatifs, hein, avec Mazis d'un côté, Bulat de l'autre. Et on les voit pas. Et là, il laisse jouer, c'est très très bien arbitré aussi, de nouveau. Verstraat, Banzouzi, j'ai trop tard, là, le Standard s'est bien positionné, Mendil. Et à Benjdida qui reste devant, c'est le seul. Il passe. Hendry, là il est bon. Oh, super. Oh, 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 oh. Là il est bon, là il est excellent. Mais comment il est passé ce ballon? Ouais, là j'ai franchement à revoir Epolo, parce que ce ballon n'a pas une trajectoire très illisible. Mais ce ballon vient très fort. Mais il y a d'abord le travail de Panzouzi, Marc, qui est assez incroyable. Et c'est vrai que sa montée est assez impressionnante là au milieu. Ah, mais sur les premiers mètres, il est explosif, Hendry, on le sait. Il l'a déjà montré. Mais sa frappe instantanée, l'enchaînement. Ouais, on le sentait venir depuis 10 minutes, un quart d'heure. OHL, en effet, avait lâché les chevaux. Avait enlevé frein à main. Allez-y, Tom. Ouais, Banzouzi là qui gagne son duel, hein, face à Price qui se fait passer beaucoup trop facilement. Et puis c'est Bates qui se fait avoir. D'abord Price. Regardez là, on ne peut pas le laisser passer comme ça. Et Bates en vitesse. Mais là, je pense qu'Epolo aussi. Ouais, Epolo. Il y a moyen d'aller chercher ce ballon, au moins de le dévier. Et les super minces de face travaillée. Verstraat. Oh, c'est bien fait. Oh, oh, c'est la barre. C'est la barre. Rica. C'est Rica qui était parti. Et finalement, il y a encore une prise de balle d'Epolo, on va dire, particulière. Ouais. Pas complètement certain dans cette prise de balle, en effet. Mais quel bon ballon de Verstraat. Façon dont Mazis a frappé les coins précédents. Ouais, au Minami, pas mal. Pas au premier poteau. Non, ça, c'est pas bien. Oh, si, il est là. Si, il est là. S'il est là, Minami. Mais là, si on le voit partir, on ne doit pas être les seuls à l'avoir vu. Mais c'est quand même pas un hasard. Si, à un moment donné, dans cette partie, Thomas, la qualité de la frappe de Mazis doit être récompensée. Ouais. Oui, oui, on avait parlé en tout début de match de celle de Bulat, mais Mazis a été bien meilleur encore, avec beaucoup plus aussi de phases arrêtées à tirer. Là, il devenait de plus en plus dangereux. Et aussi, les mouvements des Louvanistes. Mais on va le revoir. Il y a un petit train. Et le dernier wagon, c'est au Minami. Et on est vraiment dans l'axe. Regardez, c'est le dernier wagon. Et là, il part. Il part seul. On est en retard. Ouais. N'Goy est trop tard. N'Goy ne suit plus. Camara prend pas l'information. Et je regarde Epolo. Là, il sait rien faire. Parce que ce ballon, comme ça... Alors qu'on a dépassé les 10 corners du côté de OHL. Non, mais il faut pas grand-chose. Hein. Un but. Et pour ça, il faudrait un contre. Passe ou pas? Ouais, il l'avait vu, il l'avait senti, c'est bien joué des comédies. Oups, joué. Oups, oups. Oh, oh là là! On le voyait venir, ce but, hein. C'est un excellent match de Kevin Van Damme, l'arbitre.
Je sais pas ce que vous en pensez, Thomas, mais je trouve que dans sa gestion d'un match, qui aurait pu déraper, hein, parce qu'il a quand même donné pas mal de cartons. Maintenant, c'est la fin. Et je trouve que dans tout ce qu'il a